Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Allez, aujourd'hui, on est sur un nid de frelons asiatiques dans un cerisier, à peu près à 4 mètres de haut. Donc, ça va être encore un énorme combat. Alors, on est le 5 décembre. Vous voyez, donc il fait froid, il fait 6 degrés. Vous voyez, j'ai le petit bonnet. Et je vais vous montrer où il est le nid. Regardez ça. Je ne sais pas si vous le voyez, il est juste là. Je vais essayer de changer d'angle. Donc vous voyez, il est balèze. Donc il va falloir s'habiller, se protéger. Et on va aller traiter ça. Allez, à de suite. Allez, c'est parti pour le combat. C'est chaud. Allez, on va falloir se caler. Oh putain, je suis à côté quoi. Bon, voilà les Dédés. Excusez-moi. Là, je suis directement en haut du nid. Je vous montre le nid quand même. Depuis plus loin, comment il est beau. Déjà des attaques, hein. Normal. Ah, vous allez voir le monde qu'il y a quand même. On va commencer à traiter directement. Le monde qu'il y a directement le 5 novembre. Directement le 5 décembre. Allez, on va essayer d'ouvrir le nid pour voir s'il y a du monde dedans. Je vous dis que l'isolation est épais. Allez, je vais vous montrer ça à l'intérieur. Vous voyez ça quand même, il y a du monde. Alors au niveau des larves, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand même il y a encore quelques petites larves là sur les côtés. Ça permettra au froid de rentrer à l'intérieur du nid. L'écran. Vous voyez les Dédés, c'était une petite vidéo simple,
pour vous dire 5 décembre encore des frelons, toujours des frelons. Peut-être qu'un jour ça fera toute une année entière les frelons, on ne sait jamais. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Allez, les petits frelons, on dit au revoir aux abonnés là. Faut être poli un peu.